Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter un nouveau leçon de la grammaire, le complément circonstanciel de lieu et de temps. Ce que je sais, repère les mots qui indiquent le temps et ce qui indique le lieu. Les mots qui indiquent le temps, les mots qui indiquent le temps. Le papa va à l'usine. Donc d'abord, on va repérer le verbe va. À l'usine le matin et rentre, voilà le verbe. À la maison le soir, à midi il prend, donc le verbe c'est prend. Donc son repas à la cantine d'usine. Donc ici, alors on va commencer par le premier. Donc le papa va à l'usine. L'usine c'est un complément circonstanciel de lieu, donc c'est un lieu. Donc le matin c'est un temps, zemen. Rentre à la maison. À la maison, le makan. Le soir, le temps, zemen. À midi, katatini, zemen. Il prend son repas à la cantine. Donc, à la cantine, n'ayant le makan. Donc, j'observe et je découvre. Le central, donc la question, je manipule. Le central. Donc, je manipule, lis le texte sans lire les mots en couleur. La centrale solaire, nord, l'école organise une visite, le bus emmène les élèves rencontrent des touristes, les élèves arrivent et entrent, ils sont accompagnés par le responsable de la centrale. Il quitte la centrale. Donc, lis le texte sans lire le mot en couleur. Les phrases ont-ils toujours un sens? On dit répond par oui. Que désigne le mot en bleu? Le mot qui désigne en bleu, regardez à la centrale solaire nord de Ouazazet. Donc, il indique vers le central sur le chemin. À destination dans un grand hall. Donc, il désigne le lieu. Troisième question. Quelle question pose-t-on pour les trouver? Je me souviens la question. On va poser où? La question où? 4. Comment les appelle-t-on? On les appelle-t-on les compléments circonstanciels de temps. Complément circonstanciel de lieu, pardon, de lieu. Je n'ai pas ici d'espace, donc je l'écris en abréviation. Complément circonstanciel de lieu. Que désignent les mots en rouge? Le matin, à 10h, toute la matinée, à midi. Donc, il désigne le temps. Il désigne le temps. Quelle question pose-t-on pour les retrouver? Donc, on pose la question quand? Mata. Comment les appelle-t-on? Donc, on les appelait les compléments circonstanciels du temps. Je retiens, je construis la règle, complète avec les éléments ou circonstances, depuis quand, espace, moment. Les compléments circonstanciels apportent des précisions sur les circonstances. Dans lesquels se déroule l'action. Il peut se déplacer au début, au milieu ou à la fin d'une phrase. Le plus souvent, la phrase garde un sens quand on l'exprime. Le complément circonstanciel de lieu permet de situer les faits dans l'espace.
Elle répond aux questions où. Le complément circonstanciel de temps permet de situer le moment. Elle répond aux questions quand, combien de temps, donc depuis quand. Voilà tout ce qui concerne où je construis la règle. On va passer à je m'entraîne. Donc souligne le complément circonstanciel de lieu et indique sa place dans la phrase. Est-ce que ils sont placés avant le verbe ou bien après le verbe? Je lis la première phrase. Les élèves sont arrivés au barrage. Voilà le verbe. Donc le verbe c'est sont. Donc l'eau descend, donc descend à Azila. Donc à Azila, il indique sa place. Le complément où se trouve le barrage de Bin Luiden. Bin Luiden. Donc le verbe c'est se trouve. Les citoyens viennent, voilà le verbe, viennent. Et à Marrakech, à eux. Voilà, d'abord on va situer le verbe. Donc le complément circonstanciel de lieu c'est. Donc, pour la première phrase, les élèves arrivent au barrage. Arriver au barrage. Donc, au barrage. Donc, il est situé après le verbe. Sont arrivés. Ici, c'est un verbe. Donc, l'eau descend des montagnes. Donc, l'eau descend d'où? Donc, elle est placée avant. Donc, elle est après le verbe. De montagne. À Azilal, donc voilà, ça les compléments, il est situé, se trouve le barrage de Bilwiden, il est situé avant le verbe. Les citoyens viennent à l'agence pour payer les factures d'électricité. À l'agence, il est situé après le verbe. À Marrakech, eux, a eu lieu une exposition sur les nouvelles éoliennes. Donc, à Marrakech, il est situé avant le verbe. Voilà. Réécris les phrases en supprimant les compléments circonstanciels de lieu. Il revient de l'usine de l'électricité. Donc, ici, donc, le complément circonstanciel de lieu, c'est de l'usine. Donc, je vais supprimer de l'usine. J'ai réécrit la phrase « Ils reviennent ». Deuxième phrase, une centrale thermique est construite à Jadida. Donc, c'est le complément circonstanciel, c'est à Jadida, je le supprime. Donc, je vais réécrire la phrase. Donc, une centrale thermique est construite. Voilà. À Azilal, un barrage produit de l'électricité. Donc, je supprime à Azilal. Donc, un barrage. Donc, j'écris la phrase un barrage produit de l'électricité. Voilà. La question 3 souligne le complément circonstanciel de temps dans la phrase. Donc pour le complément circonstanciel de la phrase, donc pour la deuxième, donc ici la phrase, le matin, les ingénieurs contrôlent les turbines. Donc le complément circonstanciel de temps, c'est le matin. Nous attendrons pour la fin du mois de l'ouverture de la nouvelle agence. Donc pour la fin du mois, c'est le complément circonstanciel de temps. Les éoliennes produisent plus d'énergie en hiver. En hiver, facilite, voit le complément circonstanciel de lieu. Les barrages marocains sont remplis pendant la saison des pluies. Pendant la saison des pluies torrentielles, donc ici, donc le complément circonstanciel de temps. Là, je m'évalue. Donc, souligne le complément circonstanciel de lieu et
entoure le complément circonstanciel de temps dans chaque phrase. Il rentre à la centrale à 8 heures. Donc, il rentre à la centrale à 8 heures. Donc, on dit que à la centrale, c'est un complément circonstanciel de temps, de lieu. À la centrale, le lieu, le temps, c'est à 8 heures. Chaque jour, c'est un complément circonstanciel de deux. J'entoure l'électricité est transportée du barrage vers l'usine. Donc, du barrage vers l'usine, c'est un complément circonstanciel de lieu. Vers 9 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. J'entoure. La consommation électrique est doublée dans les villes. Donc, ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Les touristes ont visité le poste, de contrôle général de l'Union à 5 heures. Voilà, c'est un complément de temps circonstanciel de temps. Les enfants vont voir un documentaire sur les barrages ce soir au cinéma. Donc, ce soir, c'est un complément circonstanciel de temps. Au cinéma, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, la question 2, ajoute un complément circonstanciel ou un complément circonstanciel de temps aux phrases. Nous allons au théâtre ce soir. Les périlinaires, donc en Malhujaj, vient de Mecca. Mecca, quand aujourd'hui? Donc, le matin, les écoliers, donc ici c'est le matin, donc complément circonstanciel, je réponds à la question quand. Le matin, les écoliers se dirigent vers l'école. Donc, en sortant de l'usine, ils se rendent aux villes. Au village. Écris une phrase avec un complément circonstanciel introduit par le mot vers. C'est comme ça ici, vers. Donc, je me dirige, je me dirige vers la poste. Voilà tout ce qui concerne notre leçon d'aujourd'hui, les compléments circonstanciels de temps et le complément circonstanciel de lieu. J'espère que vous allez bien et au revoir.